Ah oui, avec le micro, ça fait pas pareil. Hein. Ok, bonsoir à tous et à toutes, et à toutes et à tous, pour ce 97e live. Je vous souhaite la bienvenue. Ce soir, on va parler de la main droite, de right hand, ou la main gauche pour les gauchers, left hand pour les anglophones. Et pourquoi ? Parce que j'entends souvent, je vois souvent sur les forums, sur les réseaux et tout ça, beaucoup discuter de matos. Qu'est-ce qu'il faudrait comme pédale d'effet ? Qu'est-ce qu'il faudrait comme ampli ? Qu'est-ce qu'il faudrait comme basse ? Qu'est-ce qu'il faudrait comme corde pour avoir le son et tout ça et tout ? Et puis je me dis souvent, moi j'y connais pas grand-chose à tout ça. À chaque fois, il y a un truc qui ressort, c'est que finalement, pour le son, faudrait déjà savoir ce qu'il nous faudrait comme main droite, notamment. Alors la main gauche aussi. Mais ce soir, la main droite, parce que pour avoir le son au départ, normalement, ça vient de ça. Déjà, à l'origine. Ce qui me fait dire aussi que j'ai vu des super bassistes jouer avec sur des basses à 300 balles et avoir un super son. Et puis d'autres bassistes jouer sur du gros matos et avoir un son de merde. Donc c'est quand même fou. Et puis c'est aussi un autre truc, c'est que si on se met dans la config de 2-3 bassistes qui joueraient la même basse dans la même soirée sur le même matos et tout ça... Certains d'entre vous ont pu constater qu'il n'y en a pas un des trois qui a le même son avec le même matériel. Donc finalement, que ce soit du bon matos ou du matos de base, il n'y a pas un bassiste qui sonne comme l'autre sur un matériel commun. Et donc ça vient d'où cette affaire ? Il y a plusieurs paramètres, mais un des principaux, je trouve que c'est le jeu main droite. Comment on peut optimiser son jeu à la main droite au niveau de la technique ? Et au niveau de l'interprétation, au niveau des sonorités, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette mimine ? On digressera certainement aussi sur la main gauche, forcément, puisque quand on va parler d'interprétation, ça ne suffit pas de parler que d'une seule main, il faut aussi voir ce que fait l'autre. Donc on va sûrement évoquer ça. Mais voilà, pour ce soir, surtout axé sur le jeu à la main droite, comment on la positionne, et puis qu'est-ce qu'on peut sortir comme son, sans parler de pédales d'effet, d'ampli à 5000 boules, etc., etc., ou de cordes neuves ou pas neuves, même si tout ça, ça compte au départ. Comme je vous disais, qu'est-ce que vous faites avec votre main droite ? Au niveau bassistique, évidemment. Hein, le reste, ça vous appartient, n'est-ce pas ? Bonsoir le chat, bonsoir à tous. Je vais essayer de vous rapprocher de ma petite caméra, histoire de ne pas me faire un torticolis. Visiblement, ça ne veut pas marcher. Ah si, ça y est. Salut tout le monde, salut les nouveaux, salut les anciens, bienvenue à vous. Je vois que le chat est déjà bien actif, donc merci à vous, c'est cool. Donc voilà, j'espère que le sujet va vous intéresser, vous pourrez attraper quelques infos. Comme d'habitude, vous allez sur l'onglet Bassistic Live sur le site bassistic.com pour récupérer le document pour ce soir. Je vous ai mis quelques petits grooves dans divers styles, histoire donc de se donner des petits conseils sur cette main droite et son positionnement. Donc je vous ai mis, on va regarder, hein, rapidos sur le document, je vous ai mis un blues. Comment placer sa main droite pour jouer un blues. Qu'est-ce que je vous ai mis après? Je vous ai mis un petit funk. Ah, et puis là, il va me faire chier. Voilà. Je vous ai mis un petit funk et puis un petit jazz funk. Voilà, donc évidemment, on ne fera pas le tour ce soir. J'ai oublié de vous mettre un gros rock qui tâche. Merde, c'est étonnant. Bon, on pourra peut-être en parler quand même. Hein. On va en parler quand même. Comment jouer du rock, comment placer sa main droite pour jouer du rock, etc. Je suis en train de faire n'importe quoi. Voilà, clac, je replace mon petit truc. C'est pas encore super au point, mon affaire, là. Bon, voilà, donc, selon les styles de musique qu'on a à jouer, qu'est-ce qu'on en fait ? Vous avez vu que sur une basse, alors aussi au niveau de la basse, bon là ce soir j'ai pris une jazz basse, deux micros, ceux qui ont une basse précision par exemple à un seul micro, il y aura peut-être moins de possibilités, mais avec le placement de la main droite, on peut aussi parler aussi un petit peu de la configuration des micros qu'on va choisir.
pour jouer tel ou tel style. Profitons-en, allons-y, soyons généreux. La générosité ce soir. Donc on va essayer de voir tout ça, si vous voulez bien. J'ai deux fenêtres de streaming. What the fuck it is? Hop là, bougez pas. Vous êtes toujours là? Oui. Bon, j'espère que vous entendez bien, que vous recevez bien l'image. On est passé à Windows 11 à la maison, donc là, il m'a mis un gros boxon pour que je puisse tout reparamétrer à temps. Ça a été chaud. Donc, je redescends en pression avec vous et on y va. Premier petit conseil sur le style blues, par exemple. Blues, c'est l'occasion de jouer peut-être un petit peu soft, sur un tempo lent, tout ça, et d'essayer de remplir l'espace sonore avec un accompagnement walking, c'est-à-dire un rythme de noir, 4 noirs par mesure, tranquillou, et puis voilà, d'essayer d'avoir un son rond, chaleureux, défini et tout ça. Donc là, sur une jazz basse, moi ce que je vais faire si je dois jouer en blues, je vais essayer d'imiter en fait le son d'une précision parce que on va essayer de capter cette chaleur. Alors je vais virer le deuxième micro. Au niveau de la tonalité, je vais pas ouvrir trop les aigus. Alors là, j'ai une basse active, tout ça. Je vais mettre un peu de grave et pas trop d'aigus. On va tester ça. Si je sens que j'ai un son pas assez défini, je rajouterai un petit peu d'aigus. Et voilà. Et les médiums, je les laisse où ils sont, quoi. Et là, je vais essayer, avec ma main droite, de capter. D'imiter une espèce de contrebasse, quoi. Même si c'est ridicule de dire ça, on n'atteindra jamais le timbre d'une contrebasse avec une basse, hein. Et là, du coup, je vais placer la main droite vraiment presque sur le manche, avec ce micro-manche ouvert. Je vais essayer d'employer le gras du doigt, pas trop la pointe, mais vraiment d'y aller avec le gras du doigt boudiné, si possible. Hein, si possible, si vous avez des gros doigts boudinés, c'est l'idéal pour jouer du blues. Donc je vais prendre vraiment le plus de surface de mon doigt, en fait, pour faire rouler mon doigt sur les cordes. Je suis pas là pour faire des trucs de virtuose en blues. Donc du coup, j'ai pas besoin d'être à la pointe, on va voir ça après, là, d'être à la pointe au niveau des doigts et sur des cordes tendues. Là, les cordes sont molles. Pas une grosse attaque, hein. Voilà, je vais éviter. Je vais couper mon micro, histoire d'essayer d'entendre vraiment le grain de la basse, quoi. Ok, donc c'est pas le relevé exact hein, que je vous ai mis sur le document. Allez le récupérer si ça vous intéresse hein, de jouer un walking blues. Là, j'ai fait le mien, j'ai improvisé le mien, mais là, je vous en ai écrit un qui fonctionne sur cette grille. J'ai utilisé iReal Pro pour avoir un petit playback avec la même grille d'accords, quoi. Et puis voilà, je fais rouler. Et donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder ce blues, à le récupérer sur Bassistic. Bon, vous voyez que pour le blues, ouais, hein,
on essaye d'imiter une contrebasse avec la main près du manche. Ça roule ça? Est-ce que tout va bien pour vous là-dessus? N'hésitez pas, le chat, comme d'habitude, si vous avez des questions, essayez de les poser en majuscules, que je puisse les voir. Top image et son, merci Stéphane, je regarde un petit peu vite fait. Ça existe Windows 11? Oui, ça vient de sortir, j'ai fait la mise à jour aujourd'hui. Et ça m'a un peu foutu en l'air mon OBS, donc il a fallu que je refasse les réglages là. À la dernière minute. Et quand tu as juste un micro chevalet, tu fais comment? Comme sur la Stingray? Ben, ça n'empêche pas, Eric. Hein. C'est pas forcément la meilleure basse pour jouer du blues, du coup, la Stingray. Mais tu peux quand même, voilà, tu peux quand même être pas trop d'aigu, gérer un petit peu là-dessus, et puis placer ta main. Alors, comme c'est un walking blues assez lent, souvent... Moi, je vais utiliser souvent le majeur, en fait. Sauf quand j'ai des triolets à faire. Je vais mettre index majeur. Mais voilà, même je vais piloter avec un seul doigt. Et là, c'est le majeur qui vient, je ne sais pas pourquoi. Ça pourrait être l'index, hein. Ça va dépendre de la morphologie de chacun, en fait. Mais voilà. OK, donc ça serait pour, ouais, pour un jeu blues. Ça peut être aussi pour un jeu reggae. Hein. Là, j'ai pas d'exemple, mais sonore. Là, j'ai pas de backing, mais... Encore le micro grave, et puis dans cette zone-là, quoi. Bon, et une fois que vous savez où placer votre main droite, une fois que, au niveau de l'interprétation, vous jouez bien la ligne de basse, c'est-à-dire avec les bonnes longueurs de notes, la bonne technique main gauche et le bon placement rythmique, quoi, hein, une fois que tout ça est rempli, là, on peut se poser la question du matériel, en fait. Comment faire pour avoir un son reggae optimal et tout ça? Quels sont les réglages de l'équalisation? Voilà, qu'est-ce qu'il faudrait comme base, comme ampli, éventuellement? Enfin, ça serait surtout une question d'équalisation. Donc mettre, je sais pas, scouper les mids, mettre les basses à fond, les aigus à fond, et avoir un son, je sais pas, comme ça, son à fond, grave à fond, mids coupé. Alors, je coupe mon micro. Bon, d'essayer de viser le gros son, quoi. Ça se rapproche un petit peu dans l'esprit, enfin, au niveau du son, hein. Ça se rapproche un petit peu de ce qu'on cherche aussi en blues, pourquoi pas, hein. Donc, voilà un petit peu pour cette région-là, pour ces styles-là, un son chaleureux, gros, qu'est-ce qu'on pourrait dire, rond. Voilà, ça serait dans cette zone-là. Ok. Bon, maintenant, à l'inverse, oui, alors, Nitsu, le jeu au pouce, ça peut le faire. Justement, on va y venir. Hein, on va voir aussi qu'avec la main droite, on peut jouer au pouce et notamment reggae. Et c'est vrai que ça, c'est... si vous voulez garder, par exemple, le micro grave, donc une certaine rondeur, mais vous avez aussi besoin peut-être de plus de précision que pour un blues qui jouerait des noirs longues en walking ou un jazz, peut-être que vous allez vouloir garder de la rondeur, mais aussi plus de précision dans les notes, plus de définition dans les notes. Donc à ce moment-là, c'est là que la main droite va changer de position. Ici, les cordes sont relâchées. Voilà, on a un son fat et pas forcément super défini. Donc si vous voulez plus de définition, eh ben, il faut reculer la main droite, en fait. Donc, Nitsuj, ouais, jeu au pouce, le but, ça va être, avant tout, avec le jeu au pouce, d'aller étouffer
les cordes, de faire du muting. Ça veut dire que pour la main droite, la tranche de la paume va se placer juste devant le chevalet. Et on va jouer au pouce. Alors je fais écouter sans micro. Oui, donc là, on a toujours un son assez chaleureux, assez rond, un peu étouffé par la main droite, et le pouce qui vient jouer. Alors ça, c'est vrai que ben, on n'a pas besoin de pédale d'effet, de compression, de tout ce que vous pouvez imaginer. Rien qu'avec la main droite, on a un son chaleureux, blues, épais, ici, et on a un son toujours rond, mais plus défini, où les notes sont plus précises. Donc là, on a déjà deux possibilités de son qui sont plutôt cool, quoi. Donc bien sûr, on peut utiliser cette technique pour le reggae, mais pour plein d'autres trucs, quoi. Alors tiens, justement, Laurent, un compresseur peut-il apporter quelque chose? Voilà, ça c'est le genre de question qu'on va se poser après, quoi. Une fois qu'on a réglé donc toutes ces histoires de main droite, qu'on est sûr de notre technique et qu'on obtient de notre basse déjà un son cool, quoi. Donc à partir de là, oui, on peut imaginer d'employer un compresseur, par exemple, pour rehausser et rabaisser un peu les extrêmes, quoi, et pour avoir un son bien, bien uniforme et tout ça. Alors, ça peut être le cas. Moi, le compresseur, je vais l'utiliser parce que dans mon jeu, sur un concert, par exemple, je vais utiliser toutes ces techniques de main droite à un moment donné. Et donc, du coup, j'enclenche un compresseur parce que si je passe de ça à ça, ah, ça, j'ai besoin qu'un compresseur ramène un petit peu, redonne un niveau uniforme à mon jeu pour éviter de péter les oreilles selon la technique que j'emploie. Tu vois ? Donc du coup, c'est le premier truc que je prendrais, quoi. Un compresseur effectivement en pédale d'effet. C'est celui que j'ai ici, hein, le bleu là, compresseur multicomp EBS. Et voilà, donc là, je l'enclenche pour justement essayer de ne pas vous casser les oreilles en sortant des trucs d'un seul coup, là, fort, et puis de vous péter les tympans ou votre casque. Et voilà, donc là, je suis sûr que, normalement, mon niveau sort de manière uniforme, quoi, quelle que soit ma technique main droite, ok ? Si on continue un petit peu, ça va ? Tu as un exemple de son compresseur. Dit David, voilà, tu vois, j'ai le compresseur qui est enclenché là. Sur un live comme ça, selon la qualité de votre connexion et tout ça, ça sera difficile de vous faire entendre, de vous faire des tests avec et sans compression. Ça, on peut le faire quand on tourne une vidéo. Mais là, en live streaming, avec la définition de chacun, et puis avec quoi vous écoutez ce live ? Avec un casque, avec les enceintes de l'ordi tout pourri, bravo. Ou avec des bonnes enceintes ou quoi, vous n'allez pas forcément entendre la différence entre avec compression, pas de compression, quoi. Ok. Mais bon, encore une fois, hein, le live ce soir, c'est plutôt sur les techniques de main droite. Et justement, pour éviter de se barrer tout de suite dans les histoires de matos, quoi. Et que de surtout se dire qu'il ne faut pas que le matos compense un manque d'efficience, on va dire, au niveau de... Hop, j'ai paumé mon truc. Au niveau de notre jeu, en fait, main droite, quoi. Alors, je flippe, j'ai perdu ma fenêtre YouTube. J'espère que vous êtes toujours là. Ouais. Merde, j'ai paumé ma fenêtre YouTube. Je crois que je l'ai fermée comme un couillon. Je l'ai fermée et pourtant, je suis toujours en live. Bon, vous êtes toujours là Rassurez-moi dans le chat, parce que j'ai l'impression que sinon de parler dans le vide. Est-ce que
Est-ce que je suis toujours en live? Oui, ok, d'accord. Ben ouais, ok, d'accord. Ben, le live a toujours lieu alors que j'ai fermé ma fenêtre. Première expérience pour moi, là, je viens de faire une grosse connerie. Je vais essayer de revenir quand même sur ma fenêtre. Streaming en direct, récemment fermé, donc là, je vais réouvrir. J'espère que je ne vais pas vous perdre. Ok, ben, a priori, voilà. Vous êtes toujours là, c'est cool. Ça y est, j'ai récupéré ma fenêtre. Merci Windows 11. Je vais y arriver. Bon, je vous ai mis dans le document, après le blues, une petite digression sur le reggae. Je vous ai mis un petit funk. Alors, un petit funk, je vous ai mis en fait le groove de Shake Everything You Got de Maceo Parker. Si vous ne connaissez pas, je vous le conseille vraiment. Alors là, quand on a un funk à jouer, en tout cas ce type de funk, là. Alors moi ce que j'ai préconisé là, vous voyez, c'est la main près du chevalet et les deux micros ouverts. Alors effectivement, enfin après voilà, c'est une question de goût quoi, hein, mais moi j'aime bien ce truc là, donc ça veut dire que là c'est fini le blues, hein, ici, avec le gros son. Là on va carrément se barrer de l'autre côté. Et pour ça, je vais ouvrir mes deux micros, donc. Et pour le funk, là où j'ai besoin de précision rythmique et de précision dans les notes, bah là, je vais reculer ma main et je vais la reculer sur le deuxième micro. Et ça va donner un truc comme ça. Alors, je vous enlève le micro encore. Donc, ici... Là, je vais vraiment jouer cette fois sur cette partie-là de la basse. Pourquoi ? Parce que les cordes sont vachement plus tendues qu'ici. Ici, c'est bien tendre et bien moelleux. Hop ! Là, ici, c'est plus tendu comme corde, hein, quand vous testez ça. Hein. Ah oui, effectivement. Ici, voilà, c'est plus tendu. Un petit peu plus dur à jouer pour les doigts, mais du coup, les notes qui sortent... Hein, ici, c'est beaucoup moins défini. Il y a plus de grave. Je vous enlève le micro encore. Ouais, là, donc, on perçoit quand même bien la différence, hein, je trouve, entre les deux zones, quoi. Hein. Vous voyez cette affaire-là ? Ouais, tout est good ? Ok, super. Je pensais parler tout seul, d'un seul coup. C'est la première fois que je ferme la fenêtre, comme un couillon. Voilà, donc, du coup, retrait de la main droite, micro au-dessus du micro aigu. Attention à ne pas aller trop sur le chevalet. Ici, je vois des élèves qui jouent carrément dans cette zone-là. Alors là, il y a un moment donné, on va perdre carrément le son. Hein. Si vous jouez trop vers le chevalet, il n'y a plus de son. Là, c'est vraiment trop mince. Donc, pareil, hein, si vous écoutez avec un casque, vous allez peut-être pouvoir entendre la différence. Mais ici, c'est vraiment aigrelé, quoi. Et là, on regagne un petit peu en souplesse et au-dessus du micro, c'est cool, quoi. Donc voilà, pour le funk, les deux micros ouverts ici, c'est pas mal. Donc, vous pouvez vous entraîner sur « Shake everything you got ». Shake everything you got. Shake everything you got. Ok. Un autre type de funk auquel je pense, on a fait il y a 15 jours
un live sur la méthode de Gastaldello, le de Jean-Luc Gastaldello, le dernier bouquin de Gastaldello que je vous conseille, Funk Bass Groove, Funky Bass Groove. Alors, Jean-Luc, j'ai l'impression, hein, faudrait qu'il nous confirme ça, mais je pense, hein, quand on écoute bien les MP3, Jean-Luc, il a un réglage en plus sur sa basse. Alors lui, il va, je pense qu'il a tendance à mettre aussi la main en retrait, ici, au-dessus du micro. Mais ce qu'il fait, lui, en plus, dans son funk, c'est qu'il retire le micro grave, je pense. Il doit mettre des graves et des aigus, quand même, sur sa tona. Mais je vais essayer de vous faire écouter la différence avec un groove de batterie entre un funk avec les deux micros ouverts et un funk avec le micro aigu ouvert avec une batterie. Et par contre, la même technique main droite. Et donc là, ben, on commence à discuter. Une fois que voilà, vous savez comment agencer votre main droite, on commence à parler matos. Mais on ne commence pas à parler matos, cordes, pédales d'effet, une basse à 3000 euros. 400 euros cette basse, hein, plus l'électronique que j'ai fait refaire, mais voilà, 400 balles. Okay, c'est une japonaise. C'est pas la mort qui tue en termes de qualité de lutherie et tout ça, quoi. Mais je trouve qu'elle sonne bien. Et j'essaye de la faire sonner justement avec ce jeu main droite. Et puis on va essayer de faire donc ce groove, les deux micros ouverts d'abord, et ensuite je retire. J'enlève le micro voix. On va essayer de bien entendre la différence, quoi. Ok. Bon, bah voilà, on va dire que sur un même type de jeu, funky, avec la même main droite, quoi. Bah voilà, vous avez quand même deux salles, deux ambiances, hein, avec le jeu des micros, en fait, hein, qui sont soit les deux ouverts, soit un seul ouvert, le micro aigu. Bah ouais, ça change quand même, hein, ça change quand même pas mal de choses au niveau de l'interprétation, du timbre de la basse et tout ça, quoi. Tu attaques plus avec le bout des doigts, dit Laurent. Ouais, effectivement, alors par rapport à ce que je disais sur pour le reggae, on va attaquer avec le gras des doigts, premier micro, pour le blues, pardon. Avec le gras des doigts, alors là, je vais attaquer vraiment avec le bout des doigts. Le bout des doigts ici, pas le gras, pas toute la surface, mais ici, sur le bout, pas sur l'ongle. Et c'est pour ça qu'il faut avoir les ongles courts, mais vraiment sur la pointe, quoi.
Et donc, effectivement, si je retire le micro grave, là, je ne suis pas en train de jouer mon groove. Alors, je vais essayer de le jouer avec des gros doigts boudinés. Alors, je vais ouvrir les deux micros. Je vais éteindre mon micro voix. Bon voilà, je ne sais pas si vous entendez bien la différence entre le gras du doigt et la pointe, mais il y en a une, quoi. J'ai plus de définition avec la pointe, avec le bout des doigts, quoi, pour jouer funky. Et cette définition va s'accentuer si j'enlève le micro grave, que je joue que avec le micro aigu. Ouais, hein, c'est ce que je vous ai écouté tout à l'heure. Ben voilà, c'est encore des choix de son. Bon, si on résume, hein, on a parlé du blues. On a parlé du reggae. On a parlé du funk. Les deux micros. Ou alors un seul micro. Avec la main en retrait. Ok, on peut se faire un petit passage sur... je vous ai pas mis d'exemple sur le document, mais parce que j'ai pas le temps. Et puis on peut pas tout faire, mais par exemple, pour le métal ou le gros rock, qu'est-ce qu'on peut jouer comme main droite, quoi ? Est-ce que vous avez des petites questions ? Tu n'utilises jamais les ongles, demande Stéphane. Non, j'utilise jamais les ongles, sauf pour certaines techniques de slap. Pour certaines techniques de slap, il y a les ongles qui vont partir. Mais non, sinon, j'utilise pas les ongles, quoi. Oui, donc, pour le rock, un truc que je fais de temps en temps, par exemple, je sais pas... Alors, c'est peut-être un peu agressif. Et bah tiens, le compresseur, il va faire son boulot, là. Je vais couper le micro voix et en fait, je vous joue un petit riff d'intro d'un rock, quoi. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Heartbreaker, Pat Benatar, un bon vieux rock. Et voilà comment je jouerai au moins l'intro. Avec quelle attaque de main droite je jouerai ça. Je vous fais écouter ça. Bon, bah là, c'est l'agression totale de la basse. Et en fait, nous, les bassistes fragiles qui jouons du jazz et du funk et de la soul et de la pop, n'est-ce pas ? Quand on joue notre basse au niveau de la main droite, généralement, on pose le doigt et on joue. Alors, il y a certains bassistes de rock, hein, je ne dis pas que c'est tout le monde et tout ça, et puis certains emploient le médiator, hein, on va peut-être en parler ce soir ou pas, mais vraiment, là, moi, c'est le jeu au doigt qui va m'intéresser. La différence, c'est que entre un bassiste fragilo, un bassiste cochonou, et un bassiste rock avec les coronas,
c'est que le gars, non seulement il va jouer la corde, mais il va la percuter. Donc... Alors là, j'ai pas forcément la basse va friser, parce que mon réglage de basse n'est pas fait pour ça. Ceux qui veulent bourriner les cordes pour avoir justement cette attaque, bah, ils ont une hauteur de corde en conséquence, quoi. Sinon, ça frisouille de partout, c'est dégueulasse. Donc là, on en revient au fait de parler matos. Cette fois, le réglage de la basse, tout ça, on peut commencer à en parler dès lors qu'on a défini, encore une fois, bah, ce qu'on allait faire à la main droite, quoi. Si vous avez un jeu de main droite qui réclame de l'attaque rock, oui, on parle matos, on parle réglage de manche, on parle taille de corde, etc. Vous voyez ? Enfin, pour moi, en tout cas, hein, c'est ce que je pense, moi. Donc, du coup, là, le rock, eh ben, non seulement on joue la note, mais on vient la percuter. Et donc, selon votre réglage de compression, eh ben, le compresseur peut être bienvenu pour essayer de calmer un petit peu le jeu, quoi, et de garder quand même un son uniforme, mais on entend que c'est pas la même attaque que, oh ben, je vous fais bassiste fragile et puis bassiste déter. Bassiste fragile. Déter. Ok. Bon, désolé, j'ai gardé le micro-voix, donc bon. Le grain de la basse n'est pas forcément terrible pour vous. Désolé. Mais en tout cas, vous voyez un petit peu la différence. Différence d'attaque, en fait, sur la main droite. Bah voilà, selon les contextes musicaux, on peut trouver plein de sons quand même, quoi. Est-ce que ça va tout le monde dans le chat? Je regarde sur ma droite. Ouais, ça a l'air d'aller. Steve Harris, Spirit. Ouais, sans doute, hein, quand on écoute. D'ailleurs, j'ai une petite surprise pour Mister Lemmy, je lui avais dit que je lui enverrais. Je vais t'envoyer, il faut que tu me le rappelles, mais non, je vais m'en souvenir. Je suis en vacances, je vais pouvoir te l'envoyer. Un petit morceau d'Iron Maiden à bosser. Ben ouais, quand on écoute la piste séparée de Steve Harris, ouais, ça permet de rebondir sur un truc là-dessus. C'est que là, tout ce qu'on se dit ici, c'est des trucs plus ou moins subtils pour la main droite. Et vous pourriez très bien vous dire parmi vous, oh là là, ouais, pff, c'est dégueulasse, non, j'aime pas, je préfère quand c'est plus soft et tout ça, parce que là vraiment, c'est dégueu, quoi. Mais il faut garder à l'esprit quand même qu'au sein d'un mix, c'est-à-dire au sein de plusieurs pistes de musique, quoi, de la batterie, des guitares, du chant, etc., la basse, faut qu'elle arrive à ressortir, quoi. Et quelquefois, quand vous jouez une basse toute seule comme ça, ça peut avec par exemple que le micro grave, là j'enlève encore un petit peu le micro. Bah, vous pourriez très bien vous dire, oh là, c'est too much, c'est moche, ça fait du bruit dans ma chambre quand je m'entraîne et ça fait chier tout le monde, c'est quoi, c'est... Waouh ! Ouais, mais pensez juste au mix dans lequel vous allez vous retrouver, au milieu donc de batterie, de guitare et tout ça, et bien quelquefois, ce qui vous paraît complètement aberrant quand la basse est toute seule dans votre piole, au sein d'un mix, ça devient super efficace et voire magnifique. Sans déconner. Vraiment. Un mix permet d'atténuer certaines choses, certains trucs de jeu. Mais s'ils n'étaient pas là, eh ben, la basse ne sonnerait pas pareil dans le mix général, quoi. Donc attention toujours, et là je rebondis encore sur tous ceux qui sont souvent en quête de matériel, d'acheter du matériel, des pédales, des machins pour avoir le son et tout ça, ou alors d'acheter des basses très chères qui ont un son super clean, super propre. Je pense par exemple à la marque Fodera, par exemple, qui est très chère avec un... Voilà, le son est génial. Le son est génial quand la basse est toute seule. Il faut savoir s'en servir quand vous jouez en groupe, parce qu'en fait, vous pouvez perdre en définition par rapport à une bonne vieille précision à 500 euros, en fait. Tout le monde ne sera peut-être pas d'accord avec ça, mais moi, c'est ce que j'ai constaté. C'est que dans un mix, les lois sont différentes
de quand on est dans sa chambre, quoi. Donc attention à la course au matériel et tout ça, parce qu'au final, vous allez vous retrouver avec votre groupe, avec un son hyper propre, hyper clean à la maison, et dans votre groupe, le son de basse, il est dans les chaussettes, et personne ne vous entend, ou alors personne ne comprend ce que vous faites. On entend un boum, 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 et puis c'est tout, quoi. Donc attention aux a priori, et puis de se dire, un son propre, c'est le deal, c'est vraiment cool. Ben, faut voir. Et surtout en rock. Quelquefois, un son crado, à la fin, dans un mix, ça donne un beau son, bien efficace et bien défini, en fait. Donc, voilà ce que je pourrais en dire. Est-ce que ça va toujours ? Ouais, j'ai pas le temps, je prends pas le temps de lire trop le chat. Mais en tout cas, je vous lis en replay. Donc, si jamais il y a des questions que je loupe et tout ça, j'essaie d'y penser pour une prochaine fois où on peut en discuter après pour ceux qui viennent en cours. Tiens, un petit instant pub, j'en profite là. On est aux deux tiers pour remercier les tipeurs si vous désirez contribuer à ces lives. Allez, vous pouvez aller faire un tour sur le Tipeee et voilà. Vous pouvez aider cette chaîne à exister si ça vous branche. Et si vous ne vous êtes pas procuré les intégrales des lives avec tous les documents MP3, PDF et tout ça, bah vous pouvez aller faire un tour aussi sur le site ou sur le Tipeee si vous voulez vous procurer tous ces documents. Je vous rappelle que vous pouvez récupérer les derniers lives gratos sur l'onglet Bassistic Live. Donc profitez-en si ça peut vous servir. Encore une autre technique de main droite. Alors là, je vous ai mis sur le document un petit jazz funk. Bon, j'ai mis ça comme titre, mais je ne savais pas trop ce que c'était. C'est moi qui l'ai composé. La dernière ligne, la jazz funk. Alors, je l'ai posé comme ça, mais je ne sais même plus jouer. Ah. Ok. Alors là, je vais me la réviser, parce que j'ai même pas le temps. Tadam, potapapadam. Pam, 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 tadam. Oui, alors... En fait, c'est cette ligne là, qui rythmiquement et techniquement est un petit peu conne à jouer. j'aime bien. Qu'est-ce que j'ai mis ? J'ai mis palm muting avec les deux micros ouverts. Alors oui, pourquoi pas. Et puis, c'est un palm muting un petit peu différent du palm muting version reggae de tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était micro grave et puis palm muting avec le pouce. Et là, c'est un palm muting. Alors pareil, la technique de base est la même. Hein. Vous mettez la tranche de la paume devant le chevalet. Vous baissez la main. Et là, la petite différence, c'est qu'en plus du pouce, je vais mettre l'index. Voilà. Alors, j'ai un reflet, c'est chiant. Voilà. Et ça donne un truc comme ça. Si vous prenez un do, par exemple, et ça quinte, bah, au lieu de faire... pouce, 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 pouce. Moi, je vais faire pouce, index. Bon, alors ça, c'est un truc de guitariste, à la base. C'est un truc que j'ai piqué, d'ailleurs, chez le guitariste de Feu Jurassic Funk. Quand je voyais jouer de la basse, l'enfoiré, il groovait comme un salaud, avec une technique de main droite que j'utilisais pas du tout, quoi. Et je me disais, putain, il groove ce mec, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Comment il fait ? Et en fait, il faisait ce truc-là, avec le pouce et l'index. Mais comme beaucoup de guitaristes qui prennent une basse, en fait. J'ai remarqué ça plus tard. Et c'est pas mal du tout, parce que ça permet de faire des combinaisons intéressantes et d'avoir des sonorités qu'on peut pas forcément avoir avec le jeu à deux doigts, comme ça. Et en fait, on va s'inspirer des cocottes de guitare funky. La charentaise. Euh,
je vous fais un petit truc avec la batterie, si vous voulez. Donc là, c'est index, pouce et index en étouffé. Les deux micros ouverts, la main ici. Et là, bah, j'ai encore une autre sonorité, en fait, sur ma basse, finalement. Pas de pédale d'effet, rien pour le moment. Et ça donne un truc comme ça. J'éteins le micro voix. Voilà, vous voyez à peu près l'esprit de la chose. Ouais, j'ai une petite remarque, Virginie. Ouais, la bassiste trop souvent inaudible dans le groupe, pour ne pas dire l'incompris. Ouais, on est incompris tant qu'on n'a pas compris nous-mêmes comment faire traverser le son d'une basse dans un mix de groupe. Et ça, c'est encore un autre sujet qu'on pourra aborder sur un prochain live, hein, les réglages d'une basse et tout ça. Mais là, je l'ai un petit peu dit, mais c'est vrai que déjà la main droite a une grande part de responsabilité dans le fait qu'on t'entende ou pas dans un groupe, hein. Franchement, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. En power chord et sans médiator, comme par exemple Flea dans Snow, comment sonner? J'ai pas regardé, Ludo, en power chord et sans médiator, comme par exemple Flea dans Snow. Je sais pas ce qu'il fait, mais il peut faire ça. Je me souviens plus de Snow, je t'avouerai, je l'ai pas étudié. Peut-être qu'en power chord, il peut jouer index et majeur. Voilà. Donc là, c'est l'index et le majeur qui jouent en même temps. Il peut avoir un jeu guitaristique. Je sais pas en fait ce qu'il peut. Il pourrait faire pouce index. Non, mais j'ai pas. Je t'avouerai que j'ai pas enquêté sur lui. Bon, est-ce que ça va toujours? Ouais. Di Piazza et Ferro, ils mettent les quatre doigts en opposition au pouce. Oui, alors après, tu as des techniques de ouf, hein, sur technique de main droite de Di Piazza, c'est même pas la peine d'en parler. C'est un truc d'extraterrestre. Mais il joue, à la base, il joue pouce majeur, en fait. Pouce majeur, et après, il... Enfin, c'est un truc de fou, et Adrien, c'est pire. Ok, bah, y a un autre truc auquel, qui nous reste à aborder, je crois, ce soir, bah, c'est... Bah, la technique slap, hein, vous la connaissez tous, quoi, mais c'est une autre façon de faire sonner la basse avec la main droite. Le fait de taper, de tirer. Bon, pareil, on se fait un petit groove, pareil avec la batterie, je mute le micro. Thank you.
Bon, alors, est-ce que les plus vieux d'entre nous et les plus... les plus encyclopédiques auront reconnu ce petit groove que je viens de piquer? À qui, d'ailleurs, je demande dans le chat, à qui appartient ce groove? Je demande là aux plus ultra fans, aux anciens et aux tarés de basse qui ont absolument tout écouté, tout acheté à une certaine époque. Allez. Ah. Ah là 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 là. Alors oui, Alex, avec le jeu de mots en plus. Very good. Ouais, Alex, c'est ça. Non, c'était pas TM Stevens, c'était pas Alain Caron. Non, personne d'autre a trouvé. Il y a Alex qui a trouvé, en fait, quoi. Madame Big Baff, j'en sais rien, mais j'adore. Ouais, c'est Jean Bizello que vous pouvez suivre sur Facebook, prof au MAI. Qui avait sorti. Ce genre de plan. Bon, alors voilà. C'est une autre sonorité, c'est une autre façon de faire sonner la basse avec la main droite, quoi, de jouer en slap. Tout le monde n'aime pas ça, tout le monde n'est pas sensible à cette sonorité-là et tout. Bah, c'est comme tout, quoi. Hein, ça fait partie des outils, en fait, pour le bassiste. Et puis, vous choisissez vos outils avec lesquels vous voulez jouer, quoi. Hein. Donc, ceux qui aiment le slap, hop, peuvent se rajouter ça. Ceux qui n'aiment pas, l'utilisent pas, tout simplement, quoi. Bon, après, là, j'en ai pas sous le coude, mais vous connaissez tous la sonorité du Mediator. Alors, ma basse, elle n'est pas adaptée pour ça, mais c'est un autre jeu de main droite, finalement. Hein. Voilà. Hein. Voilà, c'est une autre façon, donc pareil, sans le micro-voix. Bon voilà, moi je suis nul au Mediator, il faut que je travaille ça, mais c'est une autre façon de faire sonner la basse. On est toujours avec le même matos, juste des petits réglages qui vont différer donc sur le choix des micros, on va mettre plus ou moins d'aigus, bon voilà. Mais la main droite fait avant tout le boulot, quoi. Ok. Ouais, est-ce que ça va tout le monde? Bon. Concernant le slap, petite question sur 5 cordes, comment tu étouffes le si grave? Pareil, moi je l'étouffe, alors les deux, soit j'étouffe avec, bouge pas, ouais je pourrais aller chercher ma 5 là, soit tu étouffes avec la paume ici, sur le si grave, et tu joues, ça fait que ton pouce est un petit peu vers le bas, et c'est une technique caronesque, soit tu étouffes avec ton majeur ici, qui vient largement sur le si grave. Moi qui suis sur 4 cordes, si je te joue un groove à la Caron, à la Caron ou à la Alain Caron, je peux te le jouer sur une 4 cordes avec le majeur qui dépasse suffisamment pour étouffer le si grave. Alors j'enlève pareil, hein. On va augmenter un petit peu le tempo si on veut se le faire ce groove là. On va mettre, 125. Je sais pas si la batterie va coller avec d'ailleurs. La batterie un petit peu trop funky. Funky. Ouais. Est-ce que j'ai un autre truc là? Un peu plus rock. Tac. Je vais essayer de vous trouver ça, les amis. Voilà. Mmh.
pas le groove. Ouais. Bon, on s'en fout. Ah, je mute le micro. Hein. Allô, oui. Oui, donc même si je suis sur 4, sur 5, ça serait pareil. Je ferais dépasser mon majeur ici. Et si vraiment je dois faire une phrase comme ça, par exemple. Hop ! J'ai la paume sur les cordes et je peux jouer dans les aigus. En fait, je contrôle tout avec ma paume dessous, là. Donc, pour une 5, ça serait pareil, quoi. Est-ce qu'il y a une technique en plus pour les fretless ? Pour la main droite, non, je dirais non. C'est la même chose, c'est les mêmes possibilités. Pour la main gauche, ça change des choses, ouais. Où est-ce que ça va, tout le monde ? Bah, écoutez, on est presque au bout de la chose. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur ce live sur la main droite. J'espère que pour les débutants, notamment, ça vous aura amené quelques infos, comme quoi avec une même basse, deux micros, même un micro, on aurait pu faire ça sur une précision, mais si vous avez voilà, une petite basse avec deux micros, électronique passive ou active, finalement, on s'en fiche un petit peu même. Si vous avez une tonalité, vous pouvez vous en servir, plus de graves, plus d'aigus et tout ça. Mais avant tout, bah, savoir dans quelle région jouer. Ici, ici, ici. En étouffé, jeu au doigt, pouce, index, slap, médiator. Voilà, en fait, hein, y a plein de possibilités justement pour faire sonner une basse et sans parler des effets. Alors évidemment, bah, on peut peut-être finir avec ça. Si ensuite, quand vous êtes sûr de votre technique, vous voulez rajouter des effets, ben là, oui, quand vous connaissez bien en fait les inflexions que vous donnez avec votre main droite, c'est-à-dire les dynamiques que vous donnez. Petit exemple, si je retire ce micro-là, je joue que avec le micro aigu, et pouce index. Je vais éteindre mon micro après. Quand vous connaissez bien votre technique, vous maîtrisez le truc, et ben là, vous pouvez essayer d'ajouter des petits effets. Alors moi, j'aime bien, par exemple, ici, de temps en temps, j'aime bien rajouter une wah-wah, par exemple. Et ici, je vais commencer à combiner les techniques, c'est-à-dire que je vais jouer en étouffé pouce index. Et de temps en temps, je vais rajouter du slap. Et je vais commencer à combiner comme ça. Quelquefois, je vais, dans un même morceau, je vais venir jouer plus dur ici. Et sur le pont, avec les deux micros ouverts, c'est mieux. Je vais venir jouer très doux ici. Et puis d'un seul coup, je vais venir jouer plus dur ici. Okay ? Donc là, par exemple, si on se fait ça, je reprendrai bien ma petite batterie funky. Et ben, je peux adopter une technique de main droite et par-dessus rajouter quelques effets. Donc là, petit tempo, tranquillou. Tac. Et on essaye ça. Sans effet. Alors je vais éteindre mon micro voix. Alors là, je vais enclencher une wah-wah, je vais enclencher un octaveur.
Donc en fait voilà, une fois que je sais à peu près comment me servir de ma main droite, là je peux commencer à jouer les effets. Et ce que je trouve super, parce que toujours pareil, hein, c'est cool d'investir dans des pédales d'effets, tout ça, de chercher la pédale qui va bien et tout. Mais par exemple une wah-wah automatique, la pédale elle réagit en fonction des dynamiques de main droite que vous donnez. Donc si vous n'avez pas une main droite qui fonctionne super bien, que vous n'avez pas fini de travailler cette main droite et tout ça, vous allez vous retrouver avec une wah-wah automatique, vous allez faire des sons, mais vous n'allez pas forcément bien l'exploiter. Puisque là, si ma wah, elle fonctionne, c'est parce que donc, je mets des variations de volume, notamment. Je peux faire ça. Ça, là. Là, j'y vais doucement. Et ici. Là, je pique un peu avec mon index. Je suis en slap, hein, quasiment. Voilà. Et ben la wah-wah, elle réagit. Si je le fais pas, voilà. Si j'ai un son égal, vous avez vu que dès que je force, ouais, la wah-wah, elle réagit tout de suite, quoi. Là, si j'ai un jeu égal, donc. Et là, bah, je vais me dire, putain, cette wah-wah, elle est pourrie, là. Qu'est-ce qu'il m'a vendu, l'autre? Wow! Eh, ça fait pas le son wah-wah que j'entends chez machin, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Ben non, c'est juste que la main droite. Ah oui? Voilà, j'ai pas touché à la pédale, hein, mais. Bah, selon comment je vais jouer à la main droite, ouais, forcément, la pédale réagit d'une certaine manière, quoi. Donc voilà, c'est en ce sens-là que je voulais un petit peu ce soir parler de la main droite et dire que, attention, il faut d'abord régler des choses au niveau de la technique, avant de partir dans des histoires de matos et de critiquer aussi certains matériels en disant « Oh non, celle-là, c'est pas terrible, celle-là, c'est... » On a souvent des avis comme ça, hein, de bonnes marques d'effets, par exemple, où les mecs disent « Oh non, j'arrive pas, non, là, le son, je sais pas, la sensibilité de la pédale est moins bonne que sur une machin. » Quelquefois, c'est vrai, quand c'est des critiques de gens qui sont vraiment professionnels et tout ça, ou qui jouent en tout cas très bien comme des professionnels et tout ça, qui savent vraiment de quoi ils parlent en termes de jeu, quoi. Mais méfiance, quoi. Méfiance parce que voilà, on va critiquer un matos alors qu'on ne sait pas forcément vraiment optimiser, on n'a pas vraiment un jeu optimal, en fait. Donc voilà, c'était la petite morale de cette histoire. Eh bien écoutez, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez pu apprendre des choses. Vous pouvez laisser un petit pouce en partant. Je pense jamais à le dire au début, mais je compte sur vous.
Vous pouvez aller faire un tipi, faire un tour sur le tipi. J'ai ouvert un Patreon aussi pour ceux qui ont envie de récupérer tous les tutos que je peux mettre comme ça, divers et variés sur divers sujets. Je fais plein de tutos, je les mets sur Patreon. Il y en a qui correspondent à des vidéos que j'ai faites sur YouTube. Là, je suis en vacances une semaine. Je vais essayer de faire des vidéos, justement, d'alimenter un petit peu la chaîne. Donc abonnez-vous à cette chaîne. Faites sonner la cloche, comme disent les Jones. Et puis, je vous la souhaite bien bonne, ma foi. Et voilà, je vais glander. Je vais retourner dans mon pyjama, pour ma part. Et je vous dis certainement à dimanche prochain pour le live 98. On se rapproche du 100e nom de Zeus. Qui l'aurait cru? Tout ça, c'est grâce à vous. Merci d'être là, présent tous les soirs. Merci le chat. Merci les nouveaux. Merci les anciens. Et on termine, comme d'habitude, avec une petite grouverie improvisée de n'importe quoi, avec tout ce qu'on s'est dit, tout ce qu'on s'est dit ce soir. Merci beaucoup. Ciao. Thank you.